Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. Je m'apprêtais à faire cette conférence sans slide, ce qui aurait été un petit peu délicat étant donné les contenus visuels. On a testé deux ordinateurs, on a testé deux vidéoprojecteurs, deux interfaces HDMI, VGA, et finalement on a une magicienne qui a réussi à nous faire fonctionner l'affaire. Voilà. Donc ce soir, je vais vous parler du hasard. Personne ne sait ce que c'est que le hasard, personne ne comprend ce qu'est le hasard. Que ce soit le grand public ou même les plus grands scientifiques, il n'y a absolument aucun consensus sur la question du hasard. D'accord ? Laurence, tu peux me passer le... Voilà. Mais pour pouvoir vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce hasard, quelles sont les différentes formes de hasard, à la fin de ma conférence, je vais parler de quatre types de hasard qui vous intéressent dans la vie de tous les jours. Il faut que je passe par un certain nombre de notions de physique et de philosophie, et de physique avancée notamment, c'est-à-dire en physique, aujourd'hui, vous savez qu'on parle de trous noirs, de choses, d'univers hologramme, d'univers d'information, de dimensions supplémentaires de l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, c'est quelque chose qui justifie l'usage de visuels, l'usage de métaphores pour arriver à faire comprendre autrement que par les équations. De toute façon, même avec les équations, on n'arrive pas à unifier la physique. Alors, donc, ce que j'essaye de faire dans ce travail de vulgarisation, c'est donc d'utiliser un certain nombre de métaphores qui permettent de comprendre donc l'état de la réflexion que nous, les scientifiques, on peut avoir, et aussi le grand public, par le biais de la vulgarisation, lorsqu'on veut arriver à comprendre quelque chose dans cette affaire. La première des métaphores, là vous la connaissez peut-être tous, c'est la caverne de Platon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons dans une réalité, mais il semblerait que cette réalité ce soit en fait une illusion, que nous soyons tous comme les... Ce que nous voyons et que nous prenons pour la réalité, c'est simplement nos ombres projetées sur un mur, et nous sommes plus ou moins enchaînés de telle façon qu'on est incapable d'aller voir quelle est la véritable réalité. Pour ça, il faudrait sortir de la caverne et se rendre compte, en pleine lumière, que nous étions dans une situation vraiment sombre à l'intérieur de cette caverne. Donc, de façon analogue, je vais prendre l'analogie du parc de la pensée, la métaphore du parc de la pensée, c'est-à-dire que, au lieu de parler de la caverne de Platon, je vais parler d'un parc dans lequel nous sommes enfermés, et je vais vous expliquer quelles sont les quatre frontières de ce parc qui sont parfaitement identifiables. Et on verra qu'en dehors du parc, il y a un beaucoup plus vaste territoire qui implique des dimensions supplémentaires de l'espace-temps, qui impliquent que la conscience joue un rôle dans la création de la réalité. Et je vous parlerai de la boussole de l'intuition, mais ça, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans le bon sens, presque. De l'arbre de vie du multivers, qui, le multivers, c'est, on va dire, pour ce qui nous concerne, nous, humains, c'est l'ensemble de toutes les possibilités que nous avons de mener notre vie, que ce soit en faisant le pire ou en faisant le meilleur. Nous aurions, entre guillemets, un libre arbitre, ou pas forcément, et nous pourrions mener notre vie d'une myriade de façons différentes. Et si on dessine nos vies sous la forme de branches, ça fabrique un arbre. Le tunnel invisible qui oriente nos pas, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais présenter tous ces visuels tout à l'heure, mais je préfère vous en parler d'abord pour améliorer la compréhension. Donc je vais faire l'usage de ce que j'appelle un tunnel invisible qui oriente nos pas tout le long de notre vie, comme si nous étions guidés sur une voie parfaitement déterminée d'avance, comme si notre futur était déjà parfaitement réalisé d'avance. Ça correspond à ce qu'on appelle le déterminisme scientifique en physique. Ça correspond au déterminisme, ça correspond à la pensée scientifique consensuelle dominante. Le sous-marin qui navigue aux instruments, c'est une caverne de Platon adaptée
à notre vision actuelle de la réalité, qui est effectivement que tout se passe comme si notre futur était déjà réalisé et que nous naviguions à l'intérieur d'un territoire en avant vers notre futur et que nous y naviguions aux instruments. Aux instruments, pas seulement les instruments pour aller voir, pour détecter les rochers qui sont devant, mais aussi les instruments pour recevoir et, ou émettre des instructions de l'extérieur, hein, de la télécommande éventuellement. Le GPS qui trace notre route dans le multivers, ça je pense que c'est ce qu'il va falloir, c'est la meilleure des métaphores, parce que j'ai fait durant mes 10 dernières conférences, j'en ai fait à peu près 80, j'utilise cette métaphore-là, et elle marche très bien, et les gens me disent, mais on comprend vachement bien avec cette métaphore du GPS. C'est-à-dire que c'est, en fait, notre futur serait déjà réalisé, et cette route, en fait, elle est calculée par une espèce de super GPS. Et vous verrez, c'est pas parce que un GPS vous indique la route à prendre, tout le monde la prend en général, mais de temps en temps, vous n'êtes pas obligé de faire comme ce que dit le GPS. Le pic de l'esprit comme origine de toutes les sources. De toutes les sources de quoi ? On parle d'eau, mais je vous dirai seulement à la fin de la conférence de quoi il s'agit, à vous de deviner ce dont je parle. Et le conducteur avec son véhicule, son cocher et son maître, là on atteint presque la gnose. En fait, c'est une vision de notre réalité qui impliquerait 12 dimensions au lieu de 4. Donc c'est pas quelque chose que je vais développer immédiatement. Nous allons voir ça. Laurence ? Alors voilà, je disais qu'on va commencer par donc parler de cette prison qui était la caverne de Platon. Aujourd'hui, on vit dans quelle caverne ? Nous vivons dans un paradigme de la pensée occidentale qui nous vient des progrès de la science pendant les 3 derniers siècles, hein, depuis le siècle des Lumières, qui était en fait un siècle d'extinction des Lumières, sachant que le véritable siècle des Lumières a eu lieu à la Renaissance un siècle avant. Et le mécanicisme a tout éteint. Alors, que sont ces 4 frontières qui nous empêchent de penser autrement ? Alors, je les appelle le matérialisme, le déterminisme, la causalité et le hasard. Ce sont des notions physiques, mais en fait surtout philosophiques. Mais la science actuelle, parce qu'elle devient une technoscience, elle a rompu son lien avec les philosophes, avec la philosophie, et même des scientifiques tout à fait compétents ne savent même plus que ces 4 choses-là, ce sont des dogmes, des choses qui n'ont jamais été démontrées, des principes qui sont utiles pour pouvoir utiliser des équations. Et on les considère comme vrais, et on les considère comme scientifiques, alors qu'ils sont faux, en fait, alors qu'ils s'avèrent faux. C'est-à-dire que moi, quand j'ai terminé mes études, dans les années 80, je n'avais rien à dire contre tout ça. Tout s'est produit pendant les dernières décennies. Toutes les remises en question par la physique de ces dogmes ont eu lieu dans les dernières décennies. C'est pour ça que vous n'êtes pas au courant. Parce qu'il faut un énorme temps avant que les résultats de la physique atteignent le grand public, parce qu'il faut d'abord que les physiciens se mettent tous d'accord, et ça, vous pouvez attendre un siècle. Donc il faut que certains physiciens aient le courage de dire « Attention, nous sommes tous dans le Titanic, quoi, en quelque sorte. » Donc voilà, le matérialisme, c'est l'idée que tout est matière, et en particulier la conscience serait le produit du cerveau. La causalité, c'est que le futur résulte inexorablement du passé. Ça impliquerait que nous sommes tous des machines biologiques. Le hasard, il a toujours été considéré comme quelque chose qui est issu de notre ignorance des causes. C'est en train de changer. Si c'était vrai, l'âme n'existerait pas, évidemment, et la conscience ne pourrait pas intervenir dans la création de la réalité. Et le déterminisme, c'est le dogme de base qui nous dit que tout est déterminé mécaniquement de façon unique. Donc ça veut dire que nous ne pouvons avoir absolument aucun libre arbitre. La suivante. Et au-delà de ça, je crois que tu en as passé une. Voilà.
Et quand je vous disais, durant ces dernières décennies, tout a changé, mais les changements, il va falloir encore avoir il va quand même falloir du temps avant qu'ils soient assimilés. On a découvert que tout ce qu'on croyait comme fondement était faux, les quatre principaux fondements. On a découvert en 82 que la mécanique quantique était juste, ce qui implique une coordination spatio-temporelle non locale de l'espace-temps. Mais c'est interprété comme ça par très peu de physiciens. Il y en a un, par exemple, Antoine Suarez, qui est quand même un physicien qui a fait une expérience, qui a répété l'expérience la plus importante du XXe siècle, qui nous dit que ce qu'on appelle hasard quantique, en fait, c'est quelque chose qui nous appartient à nous, êtres humains, et non pas quelque chose qui crée une myriade d'univers parallèles qu'on appelle le multivers, sachant que nous serions soi-disant emprisonniers de chacun d'entre eux. Bon. On a découvert également que, alors ça c'est plus récent, je ne suis pas le seul physicien à militer là-dessus, c'est presque du militantisme parce que c'est quelque chose qui a vraiment du mal à rentrer dans les esprits. On a découvert que l'indéterminisme qui a été démontré en même temps que la non-localité, donc en 1982, n'était pas seulement limité aux phénomènes infiniment petits, particules, etc., mais qu'il était valable à l'échelle macroscopique. Il existe une cosmologie quantique aujourd'hui. Et moi-même, je fais des publications accepté dans des revues à comité de lecture de physique fondamentale pour le démontrer. Donc, il est faux de penser que nous n'avons pas de libre arbitre d'après la science. On a découvert que le futur était déjà réalisé nécessairement à cause des progrès technologiques comme les horloges atomiques ou comme les GPS, etc., qui ont démontré la véracité des équations de la relativité d'Einstein, qui implique que la chronologie n'existe pas et qu'il existe partout que du présent, qu'il n'y a pas de notion de futur ou de passé, et que des instants présents sont présents dans le futur, des instants présents sont présents dans le passé. Tout est simultané. Ce qui, évidemment, remet en question l'idée que nous sommes des machines. Et enfin, on a découvert que le vide n'était pas vide, et on a même découvert que la matière n'existe pas, je ne vais pas insister là-dessus, on va en reparler tout à l'heure, ce qui évidemment met complètement à bas le matérialisme, et qui remet évidemment complètement en cause l'idée que la conscience serait le produit du cerveau, et avec tout ça, bien d'autres croyances s'effondrent. Je les ai appelées réductionnisme, matérialisme, transhumanisme, fatalisme, darwinisme, créationnisme, déterminisme, passéisme, objectivisme, scientisme. Bon. Aujourd'hui, ça faisait encore, il n'y a pas très longtemps, faisait partie de la pensée correcte, enfin, ce qu'il était correct de penser. D'accord ? Aujourd'hui, c'est terminé. D'accord ? Il n'y a plus que la sphère politico-médiatique qui pense comme ça. Donc, vous avez vu, le libre arbitre et l'existence de l'âme sont des illusions, c'est faux. La conscience et le produit du cerveau, c'est faux. Nous sommes des machines, c'est faux. Il faut rajouter à cela, la nature est sans but et sans finalité, c'est faux. L'évolution est due au hasard des mutations, c'est faux. C'est de la pensée magique. Darwin, c'est devenu de la pensée magique. L'univers est né d'une inflation originelle, c'est faux. Alors, on vous parle du Big Bang. Le Big Bang a eu lieu il y a 14,5 milliards d'années, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que l'univers existe depuis 14,5 milliards d'années. C'est seulement de notre point de vue. Le temps est relatif. Si des personnes pouvaient vivre pendant les premiers instants après le Big Bang, eux vivraient une éternité. Le temps que vous mesurez lorsque vous êtes dedans, ou lorsque vous êtes dehors, n'est pas le même. D'accord ? Et donc la notion d'avant Big Bang n'existe pas. Il y a une anecdote selon laquelle le grand Stephen Hawking aurait un jour rencontré le pape, et il se serait mis d'accord, le pape ayant dit « Vous gardez ce qui se passe après le Big Bang, et moi je prends ce qui se passe avant le Big Bang. » En fait, c'est une entourloupe, c'est une grosse arnaque.
Parce que les physiciens savent aujourd'hui que l'avant-Big Bang n'existe pas. Il n'y a pas de temps avant le Big Bang. Et vous verrez que le temps lui-même n'existe pas. Avant la suivante, je voulais quand même dire qu'en plus, il y a tout un tas de phénomènes inexpliqués par la science qui sont en train de sortir à la surface en masse aujourd'hui et qui nous montrent que le vrai scientifique aujourd'hui, c'est celui qui va tenir compte de ces anomalies. Les autres ne sont pas de vrais scientifiques. Malgré tout, ces 10 croyances ont engendré un système de pensée qui est à l'origine de notre système ultralibéral. Le darwinisme est à l'origine du capitalisme, qui nous aliène et qui détruit la planète. D'accord ? Donc, la science possède une énorme accumulation de preuves scientifiques qui montrent que tout ça, c'est faux, et on continue de nous en rebattre les oreilles. Alors, relax quand même. Hein. Là, je vous ai fait un état des lieux de toutes les croyances pseudo-scientifiques qu'il était absolument nécessaire de remettre en question aujourd'hui pour sortir de cette pourriture du mécanicisme et du matérialisme. Parce que c'est ça qui explique que notre planète est dans un sale état. Et donc maintenant, après, effectivement, les scientifiques auraient raison de dire « Et alors, qu'est-ce qu'on fait si on sort du parc ?» Et c'est là que les ennuis commencent. Et c'est pour ça que j'ai dessiné ce que j'appelle un territoire de la pensée, où j'ai essayé de montrer tous les écueils qu'on rencontrait si on essayait de plus penser dans la norme. Et donc, parmi ces écueils, il y a, par exemple, le fait d'emprunter l'une des deux failles de la physique pour descendre dans ce que j'appelle la vallée de l'ésotérisme, qui conduit à l'océan du New Age. Parmi ces écueils, il y a effectivement le fait de franchir le mur du matérialisme pour aller rechercher Dieu. Mais pour ça, il faut traverser le fleuve des religions. On n'y arrive jamais. On se retrouve dans le marécage de la conscience. Il y a ceux qui choisissent une autre voie, plutôt scientifique, on va dire, ou pseudo-scientifique, qui consiste à partir vers l'ouest, sur la colline des paradoxes, colline des mystères. C'est la colline des fameux psychologues parachutistes, qui sont des gens qui essayent de démontrer plein de choses sans que jamais on ait d'explication. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chemin pour aller là-bas. C'est pour ça qu'ils se parachutent, ou plutôt qu'ils descendent en parachute. Enfin, ça, ce sont des métaphores pour rigoler. Et puis, il y a, à l'est, la décharge du hasard, ce qui consiste à dire, ben voilà, tout ce qu'on ne comprend pas, on dit c'est du hasard, et on le met à la poubelle. Et vous avez même des faux sceptiques qui font le tri. Et puis, il y a un sentier que j'ai baptisé donc le sentier du libre-arbitre, qui permet de découvrir un nouveau chemin vers quelque chose, vers une nouvelle vision de la réalité beaucoup plus sensée, où là, cette fois-ci, on ne tombe pas dans des écueils, mais ça demande, c'est un chemin initiatique, ça demande un éveil de la conscience, et ça demande des années avant de savoir l'emprunter. C'est le thème de mon dernier livre, Le pic de l'esprit. Voilà. Suivant. Là, c'est une image que j'ai trouvée ce matin, je vous la traduis, je l'ai vue ce matin, je me suis dit, tiens, je vais la mettre dans ma conférence. C'est Tesla qui disait, le jour où la science commence à étudier les phénomènes non physiques, il faudra, it will make more progress, elle fera plus de progrès en une décennie que durant les précédents siècles de son existence. Voilà, ça résume tout ce que je vous ai dit, et je pense que c'est totalement vrai. Voilà, suivante. Voilà. Parmi les anomalies qui sont inexplicables par la science et qui sont des phénomènes rejetés, qui sont des phénomènes en fait réellement non physiques, et pourtant ils sont qui ont une explication non physique, bien que ce soit des phénomènes physiques, comme ce sont des phénomènes physiques, ce sont des phénomènes on ne peut plus objectifs. Le caractère subjectif de ces phénomènes vient du fait que ce sont des coïncidences chargées de sens. Alors je vous cite, vous n'êtes pas forcément être censé savoir qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité. Donc une synchronicité, c'est une coïncidence très improbable
C'est-à-dire quelque chose qui quand même frappe à l'esprit, tiens, il se passe ça, c'est bizarre, ça en même temps que ça, ce sont deux événements indépendants. Et en plus, ah, et c'est quelque chose qui parle à la personne qui vit ces choses-là. Donc la première synchronicité de l'histoire, puisque c'est Carl Jung, le fameux psychiatre qui a inventé le terme synchronicité. C'était durant une consultation avec une de ses patientes qui avait un problème, un blocage. Et un jour, elle lui décrit un de ses rêves. Elle lui décrit un rêve dans lequel elle a vu un scarabée d'or. Et au moment où elle lui décrit ce rêve, il y a quelque chose qui tape à la fenêtre du cabinet de Jung. Et en fait, c'était un scarabée que Jung va ramasser. Il va le poser sur son bureau, devant la patiente qui venait de décrire son rêve en lui disant « Le voilà, votre scarabée !» Et cette patiente va avoir un énorme impact sur elle parce qu'elle avait un blocage qui venait du fait qu'elle avait une conception de la réalité trop rationaliste, et en voyant que, en quelque sorte, la vie peut lui amener une sorte de magie, ça a complètement débloqué sa thérapie. Donc ça, c'est le fameux exemple de synchronicité. Alors moi-même, j'ai vécu tout un tas de synchronicités, même encore plus improbables que celle-là. Donc à chaque fois, ça a été des raisons d'entamer l'écriture de nouveaux livres. J'en ai écrit au moins trois. Et la toute dernière synchronicité que j'ai vécue, je ne vais pas vous la décrire parce que ça serait trop long, mais elle est extrêmement époustouflante. Elle a fait intervenir six papillons qui sont venus, qui ont débarqué chez nous un jour, et pas n'importe quel jour, un jour où effectivement une question se posait en relation avec ce que m'ont apporté ces six papillons. Ça faisait intervenir six énormes papillons, hein, vraiment gros comme la main. Ça faisait intervenir également trois chevaux qui ont eu un comportement extrêmement bizarre, comme pour m'apporter une information que j'ai ensuite trouvée, et trois chamois, qui ont eu également, via ma femme Laurence, un comportement extrêmement bizarre, et qui sont venus apporter une information complémentaire. Et ensemble, ces six papillons, ces trois chevaux et ces trois chamois sont venus, quasiment le même jour, m'apporter une information extrêmement pertinente qui a conditionné ma carrière pendant 2 ans. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon ça serait trop long. Suivante. Et voilà, et donc par ce slide, je vais juste résumer le travail que je fais sur le phénomène de synchronicité depuis, on va dire 4 ans, mais depuis bien longtemps. Hein. Pourquoi je m'intéresse à la synchronicité? Déjà, j'ai quand même eu la chance d'avoir une carrière très réussie. Qu'il est plus facile de comprendre lorsqu'on essaye de la comprendre dans le sens inverse du temps que dans le sens du temps. Tellement ce sont des hasards qui m'ont apporté les opportunités qui m'ont permis de réussir ma carrière. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait tilt. Ensuite, j'avais acquis des compétences en physique, je m'intéressais de plus en plus à la nature du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Comment fonctionne notre réalité? Comment fonctionne notre univers? Est-ce que la réalité se crée dans le présent? Et c'est en remettant en question l'idée que notre réalité se crée dans le présent que je me suis dit, ah mais alors, peut-être que les synchronicités pourraient s'expliquer par une influence du futur. Et j'ai décidé de tester ça. Et c'est parce que j'ai décidé de tester cette hypothèse en essayant de bousculer moi-même mon futur. Là, je vais être très rapide là-dessus parce que sinon on pourrait en faire toute la conférence. Que j'ai vécu des synchronicités absolument époustouflantes que je raconte cette fois-ci dans mon premier livre. Et ça a été le début de ma recherche. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir introduire ce sujet de recherche, mais uniquement d'un point de vue théorique, dans mon laboratoire. Et comme ça a bien fonctionné, j'ai eu aussi la chance, la possibilité de travailler avec une entreprise dans le domaine du web marketing et de faire signer au CNRS un contrat de recherche sur le hasard, qu'on a appelé sérendipité, qui est un synonyme de synchronicité, mais politiquement plus correct.
Et cette recherche sur le hasard s'est terminée cette année, il y a quelques mois, et la conclusion était que l'effet que nous recherchions, c'est-à-dire l'existence de la sérendipité ou de la synchronicité, c'est-à-dire de la capacité des internautes à attirer la publicité en relation avec leur intention, en fait, c'est pas exactement ça, parce qu'en fait, ils attirent pas les publicités. Ils le reçoivent autant que d'autres à qui on fait en sorte qu'ils ne puissent pas les attirer, mais ils achètent deux fois plus souvent. Voilà. Et la probabilité que ceci soit dû au hasard était de 1 chance sur 56. Bon, c'était un rapport officiel. Ensuite, mais avant ça, il y a 4 ans, j'ai fait mes premières expériences sur la synchronicité avec les personnes qui me suivent sur ma page Facebook. Et ça a duré 3 mois et j'ai obtenu des résultats à nouveau positifs. Il y avait 1 chance sur 400 que ce soit dû au hasard. Récemment, j'ai renouvelé ces expériences, mais en tenant compte de ce que j'avais appris. Et depuis 3 mois, et pendant 3 mois, j'ai renouvelé ces expériences et j'ai à nouveau obtenu des résultats. Alors c'est un peu plus compliqué parce que j'ai compliqué l'expérience, mais qui, pour le principal effet recherché, c'est-à-dire les internautes attirent l'information qui vient du futur, bon, je vous la fais courte, hein. J'ai obtenu des résultats dont il n'y avait qu'une chance sur 110 que ça soit dû au hasard. Donc si vous voulez, ça, tout ça c'est pour vous dire que j'étudie et j'exploite même le phénomène de synchronicité dans ma vie, involontairement avant, volontairement et involontairement aujourd'hui. Je l'étudie et je fais des recherches non officielles dessus et aussi des recherches officielles dessus. Voilà. Et à chaque fois et toujours systématiquement, j'obtiens des résultats positifs en faveur de la réalité du phénomène de synchronicité. D'accord ? Le dégât collatéral de tout ça, c'est que j'ai tendance à faire donner envie aux gens de voir des signes partout. Bon, c'est un dégât collatéral, hein. Bon, il faut faire extrêmement attention à ça, effectivement. Et vous verrez à la fin de la conférence, je vais donner quelques indications pour éviter que vous ayez l'air de gentils illuminés en essayant d'appliquer les idées de Philippe Guillemin. Donc, suivant. Alors, pour arriver à comprendre comment ce genre de choses est possible, parce qu'on a toujours tous une vision plus ou moins mécaniste de la réalité, il faut d'abord arriver à comprendre que l'espace, le temps et la matière n'existent pas objectivement. Bien sûr, ça existe. Hein. Là, j'ai l'impression de toucher de la matière, mais aujourd'hui, vous connaissez les technologies de réalité virtuelle ? Eh bien, il y a certaines technologies de réalité virtuelle qui sont capables de vous faire croire que vous êtes dans une vraie réalité, alors que tout ça, c'est simplement des signaux qui sont envoyés à votre cerveau, voire à votre conscience. Vous connaissez le film Matrix ? Le film Matrix, c'est très très bien bon, pour comprendre qu'effectivement, nous pourrions être dans une réalité qui n'existe pas. D'accord ? Après, pour ce qui est de la description de l'au-delà, c'est une autre histoire. Et aujourd'hui, vous avez quand même des grandes personnalités comme Elon Musk, et même de grands physiciens comme Max Tegmark, je crois, ou enfin, je ne suis pas sûr, mais qui croient que nous pourrions effectivement être dans une réalité qui est en réalité une simulation. Moi, je ne crois pas, je n'adhère pas à cette théorie-là, parce que s'il y a une simulation, ça veut dire qu'il y a des manipulateurs en dehors de la simulation. Alors eux, est-ce qu'ils sont simulés, etc. On ne s'en sort pas. Avec des théories comme ça, on ne s'en sort pas. Donc s'il y a une simulation, j'aime pas le mot simulation, je préférerais le mot conscience. Et là, on commence à s'approcher de la vérité, à mon sens. Et effectivement, on se rapproche de l'intuition qui a toujours eu lieu en philosophie, à commencer par Platon. Et donc la grande majorité des philosophes, hein, dans les siècles précédents, ont été idéalistes, c'est-à-dire des philosophes qui pensaient qu'il fallait tout rapporter à la conscience, et après tout, c'est du bon sens. Rien de ce que je ne peux percevoir dans la réalité est autre chose que de la conscience. Et si je dis que c'est de la matière, non, c'est de la matière perçue par ma conscience. Donc il ne faut jamais oublier que la conscience est toujours première. Et donc, de toute façon, la physique nous confirme ça parce que la physique se rend compte que l'espace n'existe pas en tant que tel. C'est quelque chose qui est... C'est comme l'écran d'un ordinateur. C'est pixelisé. Il y a une définition maximale.
Il est courbé. En plus, l'espace est non local. Et en plus, il vibre. L'espace vibre. La découverte des ondes gravitationnelles récentes démontre que l'espace est en vibration. Tout ça, ça veut dire que l'espace n'existe pas. De même que la matière, qui est composée à 99,9999% du vide, le reste étant plus ou moins inconnu, et probablement, en tout cas au niveau théorique, descriptible en termes de vibration. Ce qui fait que finalement, pour se représenter la réalité, il vaut mieux laisser tomber les notions d'espace, de temps et de matière, et les remplacer par les notions de vibration, d'information et d'énergie, et on peut... Un moyen mnémotechnique de s'en souvenir, c'est la vie. V-I-E, vibration, information, énergie. Si vous pensez ça, vous êtes plus en adéquation avec la physique, avec la science, que si vous pensez qu'il existe de l'espace, du temps et de la matière. Et on peut simplement améliorer la caverne de Platon en disant que, parce que là-dedans, il y a quand même un grand mystère qui reste celui du temps, car il semblerait que le futur soit déjà réalisé, et que donc, si on veut fabriquer aujourd'hui une nouvelle caverne de Platon adaptée à nos connaissances en physique, il faudrait que cette caverne soit un sous-marin qui navigue aux instruments. Alors, suivante. Parce que, alors là, c'est le seul, j'ai viré 4 ou 5 slides qui parlaient de physique, je vous assure, j'ai fait un effort ce soir pour vous emmerder le moins possible avec des notions difficiles. Mais il ne faut quand même pas que je fasse une impasse trop grande. Et donc, je vous donne les principaux résultats de la physique qui nous amène à penser ça. C'est d'une part le fait que la théorie de la relativité générale manifeste un futur déjà réalisé, démontré, comme je vous le disais déjà en pratique par les horloges atomiques, et le GPS, et aussi au niveau des équations par le voyageur de Langevin, le GPS, etc., tout ça, ça nous démontre que effectivement on peut voyager dans le futur un tout petit peu. On est de l'ordre de la nanoseconde, voire de la milliseconde. Mais les équations nous montrent qu'on peut voyager comme on veut dans le futur, même dans 1000 ans, 10 000 ans, etc., que ça pose aucun problème. Et alors même que les physiques n'arrivent pas à s'entendre sur les deux plus grandes théories les mieux vérifiées par l'expérience, qu'on appelle la relativité et la mécanique quantique, il semble que ces dernières années, on obtient des résultats qui montrent que ces deux grandes théories les mieux vérifiées par l'expérience s'accordent sur la notion du temps, c'est-à-dire que le temps n'existe pas au sens où on l'entend habituellement. Hein, parce que... Bien sûr que le temps existe. Que veut dire le fait que le temps n'existe pas? Ça veut dire que la variable temps disparaît des équations d'une physique universelle et que il existe, parce qu'il existe une intrication possible entre des événements qui sont séparés par le temps. Tout comme il existe une intrication, mais ça je ne vais pas vous le faire parce que ça commence à rentrer dans le grand public, il existe une intrication qu'on appelle non locale entre des événements qui peuvent séparer par une grande quantité d'espace. Vous pouvez avoir des particules qui sont corrélées, même si elles sont séparées par des milliards d'années, alors qu'il n'y a pas de signal qui vient transmettre cette corrélation. C'est la même chose dans le temps. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose dans le présent, si un choix est fait dans le présent, ce choix peut avoir un retentissement, il peut être, disons, corrélé par un autre choix qui est fait dans le futur ou un autre choix qui est fait dans le passé. Ce que j'interprète comme un déplacement de ligne temporelle, c'est-à-dire un changement simultané de tout le futur et de tout le passé pendant, malgré tout, une période de temps limitée, c'est-à-dire pendant la période où il y a commutation, c'est-à-dire changement de réalité. Alors, suivante. Si on veut mieux comprendre ça, j'ai proposé une nouvelle façon de le faire récemment dans une conférence à Nice. Une bonne façon de différencier le cerveau et la conscience, c'est de dire, c'est justement la question du temps. Le cerveau, lui, fonctionne dans le temps ordinaire, à tel point que on peut même se demander si ce n'est pas le cerveau qui crée la sensation du temps, et qu'en réalité, ce temps n'existerait pas.
Il existe des théories physiques aujourd'hui qui disent que le temps n'existe pas parce que c'est une variable émergente qui émerge tout simplement de la création de notre réalité dans le présent. C'est-à-dire que ce serait une illusion thermodynamique. C'est-à-dire l'idée que les choses se créent dans le présent, c'est-à-dire qu'il existe un présent précédent d'un passé, que le futur n'existerait pas encore, serait une illusion thermodynamique. Et la conscience ne serait pas victime de cette illusion, puisque nous avons tous, d'ailleurs, si nous étions victimes de cette illusion, se pose la question de quelle est l'épaisseur du temps, quelle est l'épaisseur du présent. Pour avoir conscience du présent, il faut bien que le présent ait une certaine épaisseur. Il faut bien que nous ayons une certaine anticipation de ce qui va arriver, une certaine mémoire de ce qui est arrivé. Eh bien, on peut même aller plus loin, via les résultats de la physique, et dire que cette sensation d'épaisseur du présent qu'a la conscience, elle n'est pas illusoire, mais réelle. C'est-à-dire que le futur que vous êtes en train de voir existe vraiment. Et le passé que vous venez de percevoir existe encore. Parce que le temps et l'espace, en physique, c'est traité de la même façon. Et même le cerveau, des découvertes récentes, nous montrent que le cerveau traite le temps comme de l'espace. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui est une illusion ? Est-ce que ce qui est une illusion, c'est que le futur n'existe pas encore ? Ou est-ce que ce qui est une illusion, c'est que notre cerveau nous fait croire que le futur n'existe pas encore et se crée maintenant ? Il est clair aujourd'hui, d'après les résultats de la physique, que ce qui est une illusion, c'est que le cerveau nous fait croire que le temps existe. Et qu'en réalité, la conscience, elle est capable de voir exactement comme dans l'espace, le futur et le passé. Moi, je suis ici dans une dimension d'espace, je vois le fond de la salle. Je ne vais pas aller vous dire, non, le fond de la salle, il n'existe pas encore, ni ce qu'il y a derrière moi. Pour le temps, c'est pareil. Tout ce qui vous arrive dans le futur existe déjà. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en face d'une bifurcation ? Là, je vais représenter un cercle vert qui montre l'épaisseur du temps de la conscience et un cercle bleu qui montre, bon, il ne fallait pas que je le fasse tout petit, l'épaisseur du temps du cerveau. Vous voyez bien que le cerveau, si on considère l'illusion du temps séquentiel, il ne voit pas la bifurcation. On est dans le mécanicisme. On va vous dire, mais non, il y a un conditionnement qui fait que de toute façon le choix à droite et à gauche a été effectué biochimiquement dans le cerveau. D'accord ? Via je ne sais quelle réflexion. Mais tout ça, c'est de la matière. Mais si on considère que la conscience a une certaine épaisseur, on est confronté au fait que, ok, le futur existe déjà, mais il faut gérer le cas du libre-arbitre, c'est-à-dire le cas où on est confronté à des bifurcations. Et ça, c'est mon travail de chaque jour. Suivante. J'étudie ce phénomène, ce problème fondamental-là, en faisant des calculs de billard. Des calculs de billard, c'est pas un vrai billard, c'est évidemment, c'est un billard avec des boules virtuelles dans lesquelles j'en mets des centaines, des milliers. Je leur fais changer les diamètres, etc. Je change tout un tas de paramètres, je change la précision, je fais tendre la précision de mes calculs vers zéro, enfin bon. Et j'en suis arrivé à des conclusions qui ont été publiées l'année dernière dans la fameuse revue Annals of Physics, et qui nous disent quoi ? Alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais je vais vous dire simplement ce qui est dit dans cette publication, c'est que la mécanique ne détermine pas le cours des événements, sauf de façon brève ou incomplète. Ce que vous devez retenir de cette conférence, si vous n'avez rien compris, vous retenez un seul truc, c'est que ce n'est pas la mécanique qui détermine le cours des événements. Les équations de la physique sont incomplètes. D'accord ? On vous vend des bêtises en vous faisant croire que vous seriez des machines, etc., machin, pas d'un gouffin, et qu'il faut être raisonnable pour telle raison, etc., système de contrôle, etc. Non, tout ça, ça suppose que tout soit déterminé par le passé, ce qui est faux. On a besoin, pour décrire le cours des événements, de 6 dimensions supplémentaires. On a besoin de 3 dimensions supplémentaires pour décrire les choix qui sont faits par la conscience dans le présent, et on a besoin de 3 autres dimensions supplémentaires pour décrire les choix qui sont faits au niveau de la destination. Et
Ces choix, bien entendu, elles impliquent des informations, on va dire, hors espace-temps. Ce sont des dimensions supplémentaires. C'est pour ça que j'utilise grande ressource de métaphore. Parce que notre cerveau ne nous a pas donné la capacité d'imaginer cette réalité au-delà de notre réalité. Et en fait, si on regarde au niveau de la physique, si on essaye d'intuiter au niveau de la physique d'où pourraient venir ces informations additionnelles qui déterminent le cours des événements, on arrive automatiquement à ce qu'on appelle la gravité quantique, c'est-à-dire que ça fait intervenir de l'infiniment petit des vagues dans l'infiniment petit. Suivante. Et donc, voilà, j'en reviens à... Et donc, finalement, pour voir les choses de façon simple, donc là, c'est toujours hyper simplifié, revenons au déterminisme. Avec le futur déjà réalisé, tout se passe comme si nous vivions à l'intérieur d'un cylindre invisible qui oriente nos pas tout le reste de notre vie. OK. La seule différence avec ce que je viens de vous raconter, c'est que ce cylindre bouge. Il bouge parce qu'il se trouve posé sur une mer de gravité quantique. Il suffit qu'il y ait de toutes petites vagues pour que ce tunnel soit capable de bouger, ce qui veut dire que votre futur, malgré qu'il soit parfaitement défini à tout moment, peut changer. Et à quoi il faut associer ces vagues ? Il faut associer ces vagues à l'effet de la conscience. Il y a un lien direct entre les vagues et la conscience qu'on peut éventuellement comprendre par le fait que, suivante, que nos intentions sont nécessairement liées à ces changements dans notre futur. S'il y avait des changements dans notre futur qui ne soient pas liés à nos états de conscience, comment expliquer nos intentions ? Comment expliquer le fait que nous parvenons quand même plus ou moins à réaliser nos intentions ? C'est qu'il y a tout de même une partie de ces vagues qui concerne notre conscience à nous, parce que nous avons l'espace-temps ne va pas réaliser, alors qu'il le pourrait, alors que la mécanique le permet, un futur dans lequel je me retrouve dans trois jours, en Martinique par exemple. Je peux le faire, je peux décider, allez hop là, je prends des vacances, je prends un billet, je vais en Martinique. Et bien l'espace-temps ne va pas le créer, parce que je n'en ai pas l'intention. C'est-à-dire que tout ce que va réaliser l'univers va dépendre de vos intentions. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer que, attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle intention. Il s'agit de vos intentions authentiques. Et donc, alors, au passage, oui, authentique. Donc là, oui, j'ai fait un peu l'impasse sur tout un tas de slides. Donc là, c'est maintenant que je vais vous en parler. Nos intentions authentiques, si notre futur bouge et est capable de prendre d'autres positions... en fait, bon là je suis allé un peu vite, mais enfin, je vous le parachute quand même maintenant. Nos intentions authentiques sont des intentions qui doivent être captées par le cerveau et surtout pas créées par le cerveau, parce que le cerveau est prisonnier d'une réalité quadridimensionnelle. Et là, on parle d'informations qui déterminent ce que vous allez faire dans l'avenir, qui impliquent des informations en dehors de l'espace-temps. Donc non, si c'est juste que j'ai rien raté, c'est bon. Donc on parle d'un futur susceptible de changer. Le futur qui est généré par votre cerveau, par les intentions qui sont actuellement dans votre cerveau, il est à supposer qu'il soit bien déterminé parce que ces intentions, vous les avez depuis longtemps, ou que tout simplement elles sont conditionnées, etc., que vous êtes dans une vie monotone, etc., vous vous plaignez, mais rien ne change dans ma vie, etc. Bon, voilà. Hein. Supposons ça. Et puis supposons... maintenant que vous êtes susceptible de vous éveiller, de changer, de finalement avoir un autre avenir que vous n'espériez pas, ben, par quelle intention vous allez aller vers ça ? Certainement pas par l'intention de ce pauvre cerveau qui se considère comme prisonnier de sa situation. Non, il va falloir écouter quelque chose. Il va falloir vous écouter vous-même au fond de soi, parce qu'il va falloir aller chercher l'information contenue dans les trois dimensions supplémentaires de l'espace-temps, mais qui concernent votre destination. Et ça, ça se trouve dans l'inconscient. Donc, diapo suivante. Donc, comme là, je vous ai squeezé effectivement un truc, mais bon, je vous la fais courte. La conscience
de la situation du présent, de ce que nous vivons dans le présent, je vous ai dit tout à l'heure, elle fait intervenir trois dimensions additionnelles de l'espace-temps qui nous permettent de faire des choix et qui impliquent que nous avons un libre arbitre. D'accord ? Parce que ce n'est pas conditionné par le cerveau, parce qu'il y a trois dimensions de plus. Mais il existe également la partie de votre conscience qui vous est inconsciente parce qu'elle concerne les choix qu'une partie de vous-même a fait dans le futur, c'est-à-dire le sens de votre vie. Vous n'allez pas me dire que votre futur, ce n'est pas vous. Votre futur, il existe maintenant. Il est forcément vous-même. Vous auriez envie de dire, ah, mais je voudrais bien savoir ce que c'est. Mais ce sont les intentions de votre soi. Et c'est ça qu'il convient de capter pour pouvoir aller à cette destination-là, sachant que, attention, le soi, ce n'est pas lui qui fabrique votre tunnel. C'est vous qui fabriquez votre tunnel unique qui fait qu'à tout moment, vous avez une réalité unique à vivre. Mais votre soi, lui, il est capable de vous apporter des variantes. D'accord ? Et donc, c'est en essayant d'être sensible à ces variantes, de capter ces variantes que vous pouvez fabriquer de nouvelles intentions authentiques qui vont vous permettre, selon le mécanisme que je vais vous expliquer maintenant, de changer de destination. Et d'abord, ça se fait quand même dans le présent, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les choix se font quand même dans le présent, c'est-à-dire que même si vous avez intentionné, capté une nouvelle destination, un rêve que vous auriez que vous avez envie de réaliser, qui au départ ne vous paraissait pas réaliste, et puis à un moment donné, vous vous dites, mais après tout, pourquoi pas ? Oui, mais n'empêche que si dans votre présent, vous ne changez pas votre attitude et que vous n'augmentez pas le rayon de votre conscience, c'est-à-dire l'épaisseur de temps de votre conscience, c'est-à-dire votre attention, vous n'allez pas percevoir les voies qui, autour de vous, pourraient vous emmener vers cette destination-là. C'est-à-dire que il se peut que de petits changements soient possibles à pratiquer, à réaliser dans votre vie, dont vous n'allez pas voir qu'ils peuvent vous amener à réaliser vos rêves, parce que ce ne sont que de petits changements. Et donc, il se pose pour vous la question de savoir, mais oui, mais alors quels sont les changements que je dois faire, comment je fais, etc. Et c'est là qu'on a besoin d'une boussole, parce que ce n'est pas la mécanique, ce n'est pas le mental qui est hors circuit, le mental, il vous vient du cerveau à nouveau, qui vient dans cette affaire. Et donc, c'est, comme dirait Spinoza d'ailleurs, c'est la boussole de l'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, le libre arbitre, selon Spinoza, qui ne croit pas au libre arbitre, mais a un certain libre-arbitre tout de même, c'est-à-dire qu'il considère que ce qui est premier, c'est la conscience, et dans la conscience en particulier, ce sont les émotions qui sont premières, ce sont les émotions qui vous guident, et donc c'est la boussole de l'émotion dans l'instant de l'attention maximum qui va vous permettre de faire les bons choix. Alors, quel est l'intérêt de tous ces changements ? Suivante. On va résumer la manière dont le physicien perçoit le grand mystère du temps, dont il le résolve, et la manière dont je le perçois, qui est assez peu différente finalement, en disant que pour comprendre tout ça, ça j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, il faut comprendre que notre réalité ne se crée pas dans le temps, mais d'une autre manière. Ça, c'est de grands physiciens nobélisables aujourd'hui l'ont compris. Il n'existe pas de temps au sens du front, du déjà créé, tout est déjà créé. Le passé existerait encore et le futur serait déjà là, ok, mais flexible. C'est-à-dire que le futur peut changer encore et le passé peut être instable. Aujourd'hui, il est admis par de grands physiciens que le passé est instable. Et donc, il est admis aussi par plein de physiciens, et en France, vous avez des physiciens tout à fait charmants et très compétents qui écrit des livres là-dessus. Donc, il est possible de voyager dans le temps, surtout dans le futur, et peut-être même dans le passé. Et le passé pourrait être macroscopiquement instable. Et donc, voilà. Ce qui va résumer tout ce que je viens de vous dire, avant de passer à autre chose, c'est de dire que finalement, la conscience est un système de navigation qui
qui nous permet de modeler la forme de cette, de notre destinée. D'accord ? Alors, de quels moyens ? On va voir ça. On peut changer sa destinée par petits sauts de la conscience. C'est-à-dire que, imaginez que, finalement, après tout, pourquoi pas, nous serions dans un jeu vidéo. Imaginez que nous soyons dans un jeu vidéo. De toute façon, il est probable que nous soyons dans une sorte de simulation, sauf que, comme je vous dis, c'est probablement une simulation de la conscience et non pas d'un autre univers identiquement matériel dans lequel nous serions plongés. Tous les concepteurs de jeux vidéo, d'ailleurs, vous le diront, il est très important que le futur soit déjà réalisé dans un jeu vidéo. Il est très important. Et par contre, il est aussi très important de vous mettre sur des trajectoires multiples ou qui peuvent changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il existe un scénario et ce scénario peut changer si, par exemple, vous avez gagné une bataille ou avec un adversaire. C'est-à-dire que vous avez réussi à faire ce qu'il fallait au moment d'une épreuve. Paf, bon, vous retrouvez sur un nouveau sillon temporel. C'est-à-dire que vous avez changé de ligne temporelle. C'est-à-dire qu'auparavant, le jeu vous emmenait vers une certaine réalisation. Et c'était tout programmé d'avance, mais le fait que, et le joueur ne pouvait pas le savoir, le fait que vous ayez eu un comportement positif, ou même négatif d'ailleurs, au moment de telle épreuve, fait qu'il vous a changé votre ligne temporelle, qui vous a amené par exemple à batailler contre des adversaires plus forts, par exemple. D'accord ? Donc les jeux vidéo n'ont aucun problème, et dans notre vie ordinaire, ça correspondrait à quoi ? Ça correspondrait au fait que face à certaines situations où vous avez tendance à répéter les mêmes erreurs, c'est-à-dire par exemple fuir, ou enfin vous pourriez trouver des myriades d'exemples à ma place, je ne suis pas psychologue, et bien ce jour-là, vous ne fuyez pas, vous vous comportez différemment. À ce moment-là, si c'est quelque chose qui est vécu dans l'émotion qui va bien, et que vous avez vraiment pris conscience de ce changement, vous vous retrouvez sur une nouvelle ligne temporelle. Suivante. Ça, je ne vais pas le faire, ou peut-être aux questions. Et c'est ainsi que, si on généralise, alors là, je vais loin, hein, si on généralise cette idée que le futur existe déjà pour tout le monde, de manière unique, et que le passé existe encore pour tout le monde, de manière unique, et qu'il y a des présents dans le futur, c'est-à-dire que probablement pas dans 10 ans. S'il y avait des gens incarnés dans 10 ans, on aurait très peu de libre arbitre, parce qu'on serait obligé de devenir eux, et eux, ce qu'ils font est bien déterminé. Donc là, non. Par contre, s'il y a des gens incarnés dans 200 ans, ça marche. J'en parle dans mon dernier livre, Le Pic de l'Esprit, de la possibilité qu'une certaine partie de terriens finalement fabrique une machine à voyager dans le futur qui est tout à fait possible scientifiquement et décide, pour éviter la catastrophe climatique, de déménager le maximum de terriens vers l'an, enfin après l'an 2200. Parce que pendant ce temps-là, il y aura la catastrophe climatique et l'espèce humaine s'éteint au bout du 21e siècle. On en parle aujourd'hui, c'est à la mode, hein. Il paraît que dans 2 ans, si on n'a pas fait ce qu'il fallait, on est foutu. Ça vient de l'Organisation mondiale de la santé. Donc imaginez que, effectivement, notre espèce est partie pour s'éteindre à la fin du 21e siècle. C'est une excellente idée, et c'est ce qu'on ferait. C'est ce que, si on avait la technologie, d'ailleurs, si ça se trouve, il y en a qui disent qu'on l'a, hein, enfin bon. Ce serait une excellente idée de déménager une bonne partie de la planète en 2200, etc., sachant qu'entre 2100 et 2200, la Terre fait son nettoyage de toutes les merdes pour arriver à redevenir à nouveau habitable. Voilà. Donc, vous voyez, s'il y a des incarnations dans différents siècles, il faut quand même que, pour préserver notre libre arbitre, il y ait des différences d'un ou deux siècles. C'est le thème du film Cloud Atlas. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu. Vous n'avez pas vu le film Cloud Atlas ? Incroyable. Alors ce film Cloud Atlas, qui est sorti effectivement il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années, mais enfin qui n'a pas fait grand bruit, pourtant, il est absolument... C'est les frères Wachowski,
devenues des sœurs et qui ont fait le film Matrix, ensuite ont fait le film Cloud Atlas. Donc voilà, quand même. C'est l'histoire de 4, 5, 6, 6 époques différentes de l'histoire qui vont du passé 1849 jusqu'au futur 2321, avec un ou deux siècles à chaque fois entre les deux, où vous avez simultanément des humains qui ont des aventures à ces siècles-là. Et ils sont plus ou moins reliés. Et on les sent reliés. On les voit reliés dans le film. D'accord ? Ça correspond à ma vision de l'espace-temps. Ça correspond à la vision de l'espace-temps que je vous propose ce soir. Diapo suivante. Un espace-temps dans lequel nous serions embarqués dans une réalité encore, je la représente toujours par un cylindre, dont le futur qui se trouve à droite en bas, c'est quelque chose qui est tourbillonnant, parce que notre futur est sans arrêt en train de changer. Mais nous serions finalement, nous, notre conscience, dans la première partie des trois dimensions supplémentaires que j'appelle la dimension des conducteurs. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons un libre arbitre pour faire des choix. D'accord ? Et il y a cette partie de nous-mêmes que nous croyons être, et nous croyons être seuls, à faire des choix et à conduire ce véhicule qu'est notre corps, alors qu'il existe nécessairement, la physique sera obligée de le décrire, il existe nécessairement dans cette conception-là, une partie de nous-mêmes qu'on appelle le soi, c'est Jung même qui a énormément développé cette idée-là, et qui détermine nos destinations. Et qui n'a absolument aucune raison d'être lié à un seul moi. C'est-à-dire que nous pourrions avoir des parties de nous-mêmes, d'autres nous-mêmes, qui sont bien sûr dans notre présent, mais aussi dans notre passé et dans notre futur. C'est ce qu'on appelle la réincarnation, qui correspondrait en fait à des incarnations simultanées. Suivante. Et ce que je résume concernant, cette fois-ci, non pas les incarnations, mais simplement la nature de l'humain, peut se résumer par trois niveaux de la conscience. J'ai un confrère, directeur de recherche au CNRS, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les trois niveaux de la conscience ». Il l'a écrit après sa retraite, hein, parce que sinon ça aurait pas été facile. Où il décrit exactement ça. Il l'a écrit parce qu'il s'est vu lui-même, pendant une expérience similaire à une expérience de mort imminente, il s'est vu lui-même, et chose rare, parce qu'il a vu non seulement son corps, mais il a vu son deuxième corps. Voilà. Et il y a énormément de gens qui ont au moins l'expérience de la vision d'un corps différent de notre corps de conscience. D'accord ? En tout cas, ce que je veux résumer là, ici, c'est que nous aurions, selon ma conception, alors bien sûr, là, on est passé dans les spéculations, hein, même dans l'ésotérisme, là, enfin, je vous ai dit que moi, mon apport, il se situe au niveau des dimensions supplémentaires de l'espace, ok, de la flexibilité de l'espace-temps, ok, ça, je fais des publications là-dessus. Par contre, à partir du moment où je commence à rentrer dans l'ésotérisme, je ne suis plus suivi par les physiciens. Hein. Eux, de toute façon, ils écartent d'emblée les notions d'âme et d'esprit. Donc, dans la vision que j'ai, que je partage avec vous, il y aurait donc quatre niveaux de la conscience, et ces quatre niveaux auraient les fonctions de véhicule, en tout en bas, c'est notre corps, de conducteur, c'est notre conscience de chaque jour, de guide ou soi. Donc l'existence des guides, c'est quelque chose qui est tout à fait rationnel, ça peut être simplement notre soi. Et au-delà, bon ben là, au-delà, on peut parler de Dieu, on peut parler d'esprit, on peut parler de ceux qui veulent savoir. J'ai écrit ce que je pensais de ça dans mon dernier livre, Le Pic de l'Esprit. Et cette façon de résumer les choses qui fait intervenir à chaque fois trois dimensions, ces trois dimensions, on peut les interpréter non plus de manière quantitative, mais de manière qualitative, en faisant appel aux notions de mental, d'émotionnel et d'ego, ou d'énergétique. Mental, émotionnel, ego, c'est... Pourquoi ? C'est parce que la conscience, en fait, c'est quelque chose qui s'assimile à de l'espace en vibration. Et si on veut décrire de l'espace en vibration, on doit faire appel à la notion de vibration, d'information et d'énergie.
Et donc, au niveau des vibrations, ce serait l'émotionnel, au niveau de l'information, ce serait le mental, et au niveau de l'énergie, ce serait l'ego, par exemple, ou les autres centres énergétiques de la conscience. Et donc, ceci peut nous apporter un enseignement très important pour notre vie de tous les jours. Parce que, en fait, on peut comprendre les progrès que fait la conscience par une interaction entre les deux couches que sont le moi et le soi. Je suis pas trop long, là. Je continue. Et si on essaye de comprendre le plus logiquement possible comment peut fonctionner cette interaction entre le moi et le soi, c'est-à-dire ce dialogue entre ma conscience et, certains diraient, mon ange, ou mon esprit, ou mon soi, eh bien, voilà, il faut faire appel à donc un certain nombre d'états d'esprit. Et parmi ces états d'esprit, donc, la confiance, le lâcher-prise et le détachement, que l'on peut caractériser, par exemple, dans les faits, par le fait de savoir sortir des sentiers battus, savoir laisser agir et savoir accepter le changement, sont des facteurs qui favorisent la connexion au soi et donc le déclenchement des synchronicités. D'accord ? Et lorsque on arrive, on fait les efforts donc du mental, de l'émotionnel et de l'ego pour sortir du mental, de l'émotionnel et de l'ego, il nous arrive de nous retrouver finalement naturellement en présence de foi, d'intuition ou tout simplement de joie. Et ça, c'est un peu le critère de connexion qui, pour peu que nous ayons fait une demande authentique au soi après avoir fait le bilan de sa vie, va nous apporter les petits miracles qui nous permettent de réaliser nos rêves sous la forme de synchronicité. Suivante. Laurence. Et donc, quand il commence à arriver des synchronicités dans votre vie, alors évidemment, là, ça peut être une situation d'errance, parce qu'on a tous envie de faire de la magie, mais vous imaginez bien que là, ce que je suis en train de vous résumer à la vitesse de la lumière, ce sont des notions sur lesquelles de grands sages ont travaillé pendant des millénaires et qui ne sont toujours pas passées. Il y en a pour qui il faut toute une vie pour aboutir à un éveil qui va leur permettre de ressentir ça comme tout à fait naturel. Mais nous vivons dans une période de la société où semblerait que les choses s'accélèrent et que de plus en plus de gens arrivent à un éveil qui, finalement, beaucoup plus rapidement que ce qui se produisait avant. Et donc, en tout cas, en ce qui concerne ma spécialité, donc le hasard, voilà ce que j'ai à dire. C'est qu'il existe quatre sortes de hasard, à mon sens. Il y en a qui proviennent du passé, il y en a qui proviennent effectivement du futur. Puisque nous sommes reliés à la fois à notre passé et à notre futur, nous sommes reliés aux conséquences de notre passé et aux conséquences de notre futur. La plupart du temps, ce que j'appelle la zone d'errance, même si on a fait une demande, même si on a cultivé une certaine attitude, bon, rien n'est évident, on peut se retrouver en face de deux types de fausses synchronicités qui sont soit des causes cachées, soit ce qu'on appelle des biais cognitifs. Alors les causes cachées, c'est par exemple, si vous pensez que, je dis n'importe quoi, une grosse connerie, que vous allez, vous êtes un extraterrestre, par exemple, pour telle raison, etc. Et puis vous sortez de votre maison et vous voyez un extraterrestre traverser la rue. Est-ce que c'est une synchronicité ? Non, parce que ce jour-là, il y avait carnaval. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une cause cachée issue du passé. D'accord ? Si vous avez, je ne me souviens plus de l'exemple que je vous ai donné, si vous avez, par exemple, si vous vous baladez dans la nature et puis à un moment donné, vous rencontrez alors soit un nuage qui a une forme extrêmement subjective qui semble répondre à ce que vous pensez, ou même un rocher, parce que les rochers peuvent avoir des formes assez incroyables, et bien là, il y a de fortes chances que vous ayez affaire à un phénomène de pareidolie, c'est-à-dire que le fait que vous projetez dans le nuage ou dans le rocher
une forme à laquelle vous êtes attaché, vous ne pouvez pas vous empêcher de le voir. Ça ne veut pas dire, hein, je ne veux pas non plus... ça ne veut pas dire que, bon, peut-être que certes, des fois, c'est pas forcément une projection, mais je vous donne simplement un exemple. Donc, il faut faire attention à ces deux causes de fausse synchronicité qui sont en réalité des projections. Alors ensuite, vous pouvez effectivement avoir, si vous êtes non pas dans la zone d'errance et la zone d'opportunité, qui implique que vous avez fait réellement les efforts de lâcher prise, parce que si vous êtes sans arrêt en train de penser je m'attends à une synchronicité, ça risque pas d'arriver, etc., etc., vous pouvez vous retrouver en présence de deux types de synchronicité positive, mais simplement l'une va vous rendre un grand service, et l'autre va vous mettre dans la merde, par exemple. Mais ce seront dans tous les cas, les vraies synchronicités sont là pour vous emmener sur le meilleur chemin. C'est vous qui allez être libre de vos choix. Vous pouvez avoir une synchronicité qui, bon, ça m'est plusieurs fois arrivé, d'autres à qui c'est plusieurs fois arrivé, qui va vous amener à réaliser vos rêves. Vous pouvez avoir aussi une synchronicité. Je vous cite par exemple qui m'est arrivé, le jour où il fallait que je signe un contrat extrêmement important, je suis tombé pour la première fois de ma vie en panne sur l'autoroute. D'accord ? C'était une synchronicité aussi. Mais il ne faut pas l'interpréter comme vous ne devriez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Il faut l'interpréter comme la résistance de votre ancien futur parce que vous êtes en train de faire quelque chose, mais... votre futur nouveau est encore instable et votre ancien passé résiste. Et on garde toujours le choix. Suivante. Et justement, à ce propos, on est dans une société qui a une conscience collective. Ce que je considère comme étant valable pour chaque conscience individuelle est valable pour la conscience collective de l'humanité. Pourquoi, par exemple, le genre de discours que j'ai qui est parfaitement rationnel a du mal à passer au niveau de la sphère politico-médiatique. Parce que vous prenez n'importe quel journaliste, politicien de cette sphère, il vous dira « mais c'est pas possible, on ne peut pas dire ça au public ». D'accord ? Il y a une autocensure permanente des informations les plus intéressantes et les plus intelligentes qui peuvent pourtant nous aider à sortir de notre... Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que au niveau de notre société, il y a quand même de l'espoir. Mais bon, et puis n'oubliez pas que le futur se crée avant le présent. Hein ? Je veux dire, quand je dis avant le présent, c'est le futur, peut se créer, oui, effectivement, avant le présent, si vous êtes en train de modifier votre présent, votre futur est quand même là, impondérable. Et que si on veut le changer collectivement, eh bien, il faut changer ce qui peut être changé, et ça se situe à l'intérieur d'une espèce de... voilà. Et que si vous essayez de faire quelque chose... qui nous emmène, par exemple, si vous essayez d'obtenir la preuve d'un phénomène parapsychologique, ou la preuve du magnétisme, ou la preuve de la radiesthésie, ou la preuve de... Alors certains diront « oui, mais si, il y a un tas de preuves ». Mais là, je parle de preuves scientifiques. Eh bien, imaginez que cette preuve soit là, au niveau local, mais elle n'arrive pas à passer au niveau global, hein, au niveau... elle ne passe pas aux 20h, etc. Pourquoi ? Parce que si ça passait aux 20h, si ça passait au niveau global... ça changerait tellement le paradigme de notre société que ça bloque. D'accord ? Donc vous ne pouvez, comment dire, c'est ce que j'appelle la résistance du futur, vous ne pouvez pas commettre, il ne faut pas commettre l'erreur de rechercher la preuve avant d'avoir sensibilisé le public. Il faut d'abord habituer le public, et c'est ce que font les séries télévisées, les films de science-fiction, etc., depuis des décennies. Mais il faut des décennies pour arriver à faire passer l'information que certaines choses dont je ne vais pas parler ici sont vraies. Moi, je sais parce que je côtoie des gens qui... bon, etc. Puis j'ai lu un tas de trucs. Enfin, bon, je m'informe. Je sais que certaines choses absolument extraordinaires sont vraies, mais je ne peux pas en parler. Parce que je suis devenu trop public. C'est impossible. Voilà. Donc, la suivante. Avant de conclure... la question, avons-nous une âme ? Eh bien, moi, je vous dis que la physique répond oui, 4 fois oui. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une âme ? C'est quelque chose qui régit le vivant de façon non exclusivement mécanique.
Ça existe du fait de l'indéterminisme et des dimensions supplémentaires. C'est quelque chose qui est une extension immatérielle du corps. Ben oui, le vide étant plein d'informations, la matière n'existant pas, bien sûr que ça existe. Ça survit après la mort, oui, parce que les informations quantiques, je vous en ai pas parlé, mais les informations quantiques, c'est-à-dire non-denses, qui régissent, qui interviennent justement pour... enfin bon, non, ça je vous en ai pas parlé, mais enfin, voilà. Disons que la nature des informations, entre guillemets, parce que tout est information, qui régissent donc la matière, est d'être essentiellement des informations quantiques ou autres. Enfin, parmi ces informations-là, il y a le quantique, c'est-à-dire le non-manifesté. Or, aujourd'hui, c'est à peu près démontré par différentes expériences, ces informations-là ne subissent pas le passage du temps. Elles sont avant le passage du temps. Elles sont en dehors du passage du temps. Elles sont en dehors de l'espace et du temps. Et enfin, il a été démontré par les biologistes que le vivant, les systèmes vivants, avaient une capacité inexpliquée. On croit qu'elle est expliquée comme on croit que l'effet placebo est expliqué, alors que l'effet placebo n'est pas expliqué. De même que le principe MEP, maximum entropie production, les êtres vivants ont la capacité, de manière inexpliquée, à minimiser à se débarrasser de leur excès d'entropie. L'entropie, c'est le désordre. Raison pour laquelle ils arrivent à vivre. Voilà, je termine. Laurence. Par une conclusion. Conclusion, je ne sais pas si elle est adaptée à la conférence que je voulais faire aujourd'hui, parce que je n'ai pas trop le temps de modifier, mais voilà. Donc, je considère que la conscience est un véritable système de navigation. Il est vraiment désastreux de penser qu'elle pourrait être le produit du cerveau. Hein, et que d'ailleurs, l'information manquante en physique, il y a de l'information manquante, et justement l'information de la conscience, que nous avons donc un libre arbitre, que l'activation de ce libre-arbitre, parce que la plupart du temps, nous sommes conditionnés par le mental, l'émotionnel et l'ego, l'activation de ce libre-arbitre nécessite un retour sur soi pour capter nos intentions authentiques, de l'intégrité et de la responsabilité avant de les projeter dans le futur, parce que nous créons dans le futur notre réalité, de l'attention et du discernement pour reconnaître les ponts qui peuvent nous amener vers la réalisation de nos rêves via les synchronicités, et évidemment de développer les valeurs spirituelles pour faire circuler l'énergie que je n'ose pas nommer, et que je ne nommerai pas, pour faire circuler cette énergie qui vient du futur. C'est une énergie qui vient du futur. J'ai écrit dans mon premier livre, La Route du Temps, de quoi il s'agissait, cette énergie. Et donc... Évidemment, au niveau collectif, nous sommes dans des balbutiements vers une nouvelle rationalité, puisque la science actuelle telle qu'elle nous est présentée par les médias est une technoscience qui devient irrationnelle, d'accord ? Et qui est en train de nous bouffer. Alors que la science vers laquelle nous allons et qui implique, comme disait Tesla, de prendre en compte le non-physique, est une science beaucoup plus intelligente et subtile que l'intelligence artificielle et la pensée mécaniste. Elle revalorise l'humain en le mettant en face de ses responsabilités. Même si c'était faux, il faudrait quand même le croire. Elle fournit un éclairage sur tous les phénomènes inexpliqués. Quand même, je vous disais tout à l'heure qu'un vrai scientifique est celui qui tient compte des anomalies. Ceux qui refusent de tenir compte des anomalies, c'est parce qu'ils ont un cerveau insuffisant. Une intelligence insuffisante. Il ne faudrait pas les employer dans la recherche. Et enfin, cette nouvelle pensée rationnelle revalorisera évidemment, naturellement, la poésie, les arts et les sciences humaines. Et de toute façon, l'intérêt n'est pas de croire, mais d'expérimenter. Je vous remercie.